Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Diane de Poitiers a été l'une des femmes les plus influentes de la Renaissance. Elle a été la gouvernante puis la favorite du roi Henri II. En réalité, les sources fiables à son sujet sont rares. Certaines ont fait d'elle une femme vénale, manipulatrice et cupide. D'autres, une femme austère qui ne pensait qu'à ses intérêts familiaux. Mais une chose est certaine. Diane de Poitiers était la plus belle femme de France, une personne sur qui, dit-on, le temps n'avait pas de prise. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Diane de Poitiers, la dame d'Henri II. Épisode 1, la sénéchale. Nous sommes à Paris le 30 juin 1559. La rue Saint-Antoine a été spécialement aménagée pour l'organisation d'une joute en l'honneur du mariage de la princesse Élisabeth de France avec Philippe II d'Espagne. Une lisse, c'est-à-dire une barrière, occupe le milieu de la rue. Le public se masse le long des bâtiments pour voir les chevaliers combattre. Dans la tribune royale se trouve la reine Catherine de Médicis. Non loin d'elle se tient Diane de Poitiers. À 59 ans, elle est toujours svelte et blonde, alors que la reine s'est empâtée au fil de ses grossesses. Les robes noires de Diane rehaussent la blancheur parfaite de son teint où brillent ses prunelles claires. La comtesse suit des yeux l'entrée en lice du roi Henri II sur son cheval. Il tient un bouclier et une longue lance en bois. À 40 ans, le souverain est encore un grand sportif. En face de lui, Gabriel de Lorge, le capitaine de la garde écossaise au service du roi de France, entre aussi en lice. Les deux chevaux s'élancent à pleine vitesse, chacun de leur côté de la barrière. Les cavaliers pointent leur lance en direction du bouclier de leur adversaire. Le choc est si violent que celle du seigneur de Lorge éclate contre l'armure du roi. Une longue écharde est propulsée dans l'une des ouvertures de son aume et lui traverse l'œil. Le roi est blessé. Déjà, toute la famille royale s'agite. Diane voudrait s'élancer vers Henri II, mais elle ne le peut pas. Il n'y a pas de consensus entre les historiens sur la date de naissance de Diane de Poitiers. Elle serait née le 3 septembre 1499 ou le 9 janvier 1500. Contrairement à ce que laisse entendre son nom, elle est originaire du Dauphiné et non de la région de Poitiers. Son père, Jean de Poitiers, gravite dans la cour du roi Charles VIII et son grand-père paternel avait épousé une bâtarde de Louis XI. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. On peut déduire qu'elle a reçu une bonne éducation, comme le prouve ce qu'il reste de sa correspondance. Elle maîtrise le latin, le grec et la musique. Il semblerait qu'elle monte très bien à cheval pour une femme. Ce sont des marqueurs d'une enfance choyée dont l'objectif était de faire d'elle une femme importante. Elle a été proche d'Anne de Beaujeu, la sœur aînée de Charles VIII. Celle qu'on surnomme Madame la Grande a exercé la régence pendant la minorité de son frère. Elle est la femme la plus puissante de son temps. À cette époque, les grandes dames aiment favoriser les mariages de leurs amis. C'est peut-être donc Anne de Beaujeu qui a permis celui de Diane avec Louis de Brézé, né d'un bâtard royal. Diane a 15 ans. Cette grande blonde fine est déjà considérée comme une beauté quand elle épouse Louis de Brézé qui a 37 ans de plus qu'elle. C'est un vieillard édenté, mais ça n'effraie pas Diane. Elle ne voit que le pédigré de son mari, sa fortune et ses titres. Il est en effet grand sénéchal de Normandie et grand veneur de France. Ça signifie qu'il assiste le roi dans ses fonctions administratives et judiciaires et qu'il gère l'organisation des chasses royales. Le grand sénéchal est donc un homme puissant qui a sa place dans l'intimité du roi. Diane est une épouse irréprochable. Elle est très pieuse. Ses contemporains la disent même austère. Elle donne deux filles à son époux, Françoise et Louise de Brézé. Avec son mari, Diane fréquente la cour. Elle a probablement été dame d'honneur de la reine Claude, l'épouse du roi François Ier arrivé au pouvoir en 1515.
Certains racontent, mais là encore on est proche de la fiction, que Diane est présente au moment où Claude accouche de son deuxième fils Henri, le futur Henri II, le 31 mars 1519 au château de Saint-Germain-en-Laye. Le prince porte ce nom en l'honneur de son parrain, Henri VIII d'Angleterre. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle aurait nettoyé le bébé couvert de sang et de vernix et qu'elle l'aurait déposé dans les bras de sa mère. Franchement, on n'en sait rien, mais ça contribue à donner un petit côté scandaleux à la suite de l'histoire. Vous allez comprendre. En 1525, la France perd la bataille de Pavie contre Charles Quint, roi des Espagnes et empereur du Saint-Empire romain germanique. En gros, les territoires de Charles Quint prennent la France en tenaille et font de ce Habsbourg le souverain le plus puissant de la Renaissance. Pour étendre son territoire, François Ier a voulu prendre le Milanais, qui correspond au nord de l'Italie. Cette politique expansionniste est audacieuse, mais elle échoue parce que Charles Quint fait tout pour reprendre ce territoire qu'il estime être le sien. François Ier est fait prisonnier et envoyé en Espagne. Louise de Savoie, la mère de François Ier, commence à entamer les négociations pour faire libérer son fils. Un royaume sans roi est toujours fragile, même si la mère du souverain le tient d'une main de fer. Alors que Louise de Savoie remue toute l'Europe pour tisser des alliances diplomatiques, Diane de Poitiers s'occupe du jeune prince Henri. Elle est en quelque sorte sa gouvernante et lui donne probablement l'affection d'une mère. Claude de France est morte l'année précédente et Henri, à 6 ans, se trouve bien seul dans cette cour où tout n'est qu'intrigue politique. Alors que le petit Henri trouve du réconfort dans les bras de Diane, François Ier est toujours détenu en Espagne. Il a failli mourir de septicémie à cause d'un abcès. Très affaibli, il accepte les conditions que Charles Quint lui impose pour retrouver sa liberté et son trône. Selon le traité de Madrid signé le 14 janvier 1526, François Ier renonce à ses prétentions sur l'Italie, cède le duché de Bourgogne à Charles Quint et accepte d'épouser la sœur de ce souverain. En attendant l'exécution de toutes ces clauses, François Ier doit laisser en otage à Charles Quint son fils aîné François et son fils cadet Henri. Quelques semaines plus tard, les deux petits princes sont emmenés en Espagne et leur père est libéré. Diane accompagne sûrement les enfants jusqu'à la frontière. Cela doit être un crève-cœur pour elle de voir partir François, âgé de 8 ans, et son petit Henri, âgé de 7 ans, avec des inconnus. Les deux enfants sont emprisonnés en Espagne pendant 4 ans et demi. Leurs conditions de détention sont très rudes. Bien que ses enfants soient retenus en otage, François Ier décide de ne pas honorer le traité de Madrid. Il est hors de question de céder la Bourgogne à Charles Quint et d'épouser sa sœur. Le roi de France deviendrait presque un vassal des Habsbourg. Ce serait une véritable humiliation. François Ier décide de déclencher une nouvelle guerre contre Charles Quint avec ses alliés. La France, l'Angleterre, la République de Venise, le duché de Milan et Florence forment ensemble la Ligue de Cognac contre la domination habsbourgeoise en Europe. Les historiens appellent cette nouvelle guerre la 7e guerre d'Italie. Elle dure entre 1527 et 1529. Comme les rois veulent la guerre, ce sont les femmes qui vont négocier la paix. Louise de Savoie, la mère de François Ier, et Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, concluent toutes les deux la paix des dames le 3 août 1529. Les deux femmes sont parvenues à établir un traité de paix qui n'humilie pas la France, tout en reconnaissant la puissance des Habsbourg en Europe. En accord avec la paix des dames, François Ier conservera le duché de Bourgogne. En revanche, il renoncera à ses prétentions en Italie. Pour sceller la nouvelle amitié entre la France et l'Espagne, il épousera la sœur de Charles Quint. Enfin, il versera une rançon de 2 millions d'écus or pour la libération de ses fils toujours retenus en otage en Espagne. Quand Diane retrouve son petit Henri, elle découvre un enfant de 11 ans endurci par la captivité. Il est furieux contre son père, qui s'est beaucoup rapproché de son troisième fils, Charles.
mais Diane parvient à lui donner un peu de l'affection dont il a tant manqué. Elle est adorée comme une mère, mais aussi comme une dame selon les règles de l'amour courtois. La dame dans l'amour courtois est une femme inaccessible, généralement mariée, à qui on fait la cour pour le plaisir de la séduction sans chercher à consommer physiquement la relation. Pendant un an, Diane s'occupe de Henri à la cour. L'année suivante, en 1531, son mari Louis de Brézé meurt. Diane est veuve à 31 ans. Comme elle respecte les coutumes, elle s'habille désormais en noir et remarque que cette couleur lui va à merveille. Elle ne la quittera plus. Elle fait même redessiner sa livrée, les uniformes de sa maison, en noir, blanc et doré. Pour rendre hommage à son époux, Diane fait ériger un tombeau en albâtre et en marbre pour son mari à la cathédrale de Rouen. La comtesse est maintenant le chef de famille. Elle a le devoir de gérer son patrimoine et de le faire prospérer, ce qui n'est pas simple pour une femme de son temps. Mais Diane se trouve une fibre de comptable. Elle réclame à François Ier les gages qui sont dus à son mari et prend elle-même le titre du défunt. À la cour, on l'appelle maintenant Madame la Sénéchale, du jamais vu. Certaines personnes peuvent considérer tout cela comme des privilèges, alors que ce n'est que justice pour une femme qui sait se servir du droit. Mais les jaloux en profitent pour inventer des rumeurs. Diane de Poitiers serait la maîtresse de François Ier. Aucun historien sérieux n'y croit. Mais il faut bien admettre en revanche que la grande sénéchale échappe aux conventions. En veuve qui a obtenu le droit du roi de gérer seule ses biens, elle est une véritable femme d'affaires. Elle ne cherche pas d'autres maris et fait preuve d'une sorte d'indépendance d'esprit. À la cour, on la craint même un peu tant elle semble hautaine avec ses grandes robes noires brodées de perles blanches. En 1533, Diane participe activement à la recherche d'une épouse pour son prince. Henri a 14 ans. A priori, comme il est le cadet, il ne règnera pas. Mieux vaut lui trouver un parti qui profite aux caisses de l'État plutôt qu'une princesse. Diane joue de son influence pour imposer une de ses cousines éloignées comme la candidate idéale. Celle qu'on appelle la Duchessina en Italie a elle aussi 14 ans. Mais surtout, Catherine de Médicis est la seule héritière du défunt Laurent de Médicis, duc d'Urbino, un Italien plus riche que Crésus. Catherine vit depuis quelques années sous la protection du pape Clément VII. Elle est parfaitement éduquée et surtout, elle jette un pont entre la France et l'Italie, pays morcelé dont François Ier rêve toujours. Diane contemple avec plaisir l'arrivée de sa lointaine parente en France avec sa dot de 100 000 écus et sa cassette de bijoux d'une valeur de 28 000 écus. Les mauvaises langues appellent l'italienne la marchande ou la banquière. C'est une façon pour la vieille noblesse d'épée de mépriser ceux qui se sont enrichis par le commerce. Ce qu'on appelle la noblesse d'épée est la plus ancienne aristocratie de France, connue pour ses grands chevaliers. Elle s'oppose à la noblesse de robe, plus proche des fonctions administratives du royaume. Pour le prince Henri, la rencontre avec sa future femme n'est pas un coup de foudre. Il ne la trouve pas très jolie à côté de Diane. Il constate qu'elle a les yeux globuleux et qu'elle n'est pas aussi fine que sa gouvernante. Pourtant, Catherine a de belles jambes qu'elle montre volontiers en faisant du cheval. Le mariage d'Henri et de Catherine a lieu à Marseille le 28 octobre 1533. Le mariage est consommé dans la soirée en présence de François Ier, comme le voulaient les habitudes de l'époque. Pour rester proche de son prince avec qui elle a une tendre relation, Diane s'efforce d'être sympathique avec Catherine. Mais l'Italienne se méfie déjà de cette femme sublime qui semble avoir tant d'emprise sur son époux. Jalouse, Catherine ne rate jamais l'occasion de lui dire une méchanceté. Le destin de Catherine, de Henri et de Diane bascule le 10 août 1536 lorsqu'un événement inattendu va les lier plus fortement encore les uns aux autres. Thank you.
Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Diane de Poitiers, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Diane de Poitiers, la comtesse s'est imposée comme un personnage incontournable de la cour. Depuis qu'elle est veuve de Louis de Brézé, cette grande blonde ne s'habille plus qu'en noir. Elle est très proche du prince Henri, qu'elle a presque élevé, et lui a même choisi son épouse, une riche parente italienne, Catherine de Médicis. En 1536, un événement inattendu fait basculer leurs trois destins en les liant à la couronne de France. Épisode 2, la déesse Diane. Au début du mois d'août 1536, le dauphin François, âgé de 18 ans, se trouve à Lyon. À la fin d'une partie de jeu de paume, il boit un verre d'eau glacée et fait un malaise. Il meurt quelques jours plus tard, le 10 août. Henri, âgé de 17 ans, est promu dauphin. C'est lui qui héritera de la couronne de France. Lui, le cadet qui a de si mauvais rapports avec son père François Ier. Évidemment, les mauvaises langues accusent l'italienne et son ambition. Ce ne sont que des méchantes rumeurs. Diane est plus que jamais présente auprès de son Henri et de sa cousine Catherine. Elle joue le rôle de mère et de guide dans la jungle vénéneuse qu'est la cour. Mais Henri grandit. Il devient un jeune homme beau et sportif. Et Diane, il ne la voit plus comme une mère. Entre 1536 et 1538, Diane de Poitiers et le dauphin Henri entament une liaison. Henri a 18 ou 19 ans et Diane en a 38. Elle est toujours sublime. Le temps ne semble pas avoir de prise sur elle. Pris par son idylle, Henri délaisse la couche de sa femme. Comme elle ne tombe pas enceinte, on reproche à Henri de ne pas faire le nécessaire pour la pérennité de la dynastie des Valois. Eh oui, la sénéchale est belle. Cette beauté qui défie le temps, c'est son grand secret. Diane se nourrit extrêmement bien et ne fait aucun excès. La table n'est pas une passion pour elle, contrairement à la dauphine. Diane fait beaucoup de sport. Elle est capable d'accompagner le dauphin pendant ses parties de chasse et elle marche souvent. Pour conserver son teint blanc éclatant, elle le protège avec un masque de tissu noir quand il y a du soleil. Mais il n'y a pas que ça. Diane de Poitiers a d'autres secrets de beauté jalousement gardés. Elle prend un bain froid tous les jours pour conserver le tonus de ses chairs. L'eau provient d'un puits souterrain. C'est une eau qui n'a jamais vu la lune. Comme si la sénéchale redoutait la puissance de cet astre qu'elle fait pourtant sien en hommage à la divinité antique, la chasseresse Diane, qui porte le même nom qu'elle et qui est associée à l'astre de la nuit. Mais ce n'est pas tout encore. Diane, avec les années, s'est mise à faire la chasse aux rides. Elle se concocte régulièrement une potion à base d'or soluble. Elle pense, comme beaucoup de gens à l'époque, qu'en buvant de l'or, elle en prendrait les propriétés. Elle croit que ses chairs deviendront incorruptibles comme ce métal précieux. Elle ne sait pas que sa potion l'empoisonne petit à petit en se déposant dans ses reins, dans son foie et dans son sang. Elle est convaincue qu'elle fonctionne. Cette beauté fait l'admiration de toute la cour et Catherine de Médicis commence à regarder sa cousine comme une rivale. Une rivale qui ne vieillit pas. À la cour, les tensions entre François Ier et Henri ont fini par créer deux clans, celui du roi et celui du dauphin. Derrière chacun de ces hommes, il y a deux femmes qui se vouent une haine mortelle. Anne de Pisseleux, la duchesse d'Étampes, est réputée aussi belle qu'intelligente. Elle a une certaine influence sur le roi, elle est partisane de la guerre contre Charles Quint et se montre très ouverte aux nouvelles idées de la réforme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hostile au protestantisme et s'y serait même convertie. Au contraire, Diane de Poitiers règne sur le cœur du dauphin et c'est une catholique convaincue. Ces deux femmes se battent pour avoir la plus grande influence possible à la cour et Anne de Pisseleux est prête à tous les coups bas pour discréditer sa rivale, même si ça doit être préjudiciable à la France. On
raconte qu'elle aurait fait passer des plans de bataille d'Henri à Charles Quint lors d'une bataille en 1542. Elle aurait voulu provoquer la défaite du dauphin pour en rendre Diane responsable. Il semblerait que cette accusation soit tardive et fausse, mais elle prend racine dans le terreau putride de la légende noire d'Anne de Pisseleux, qui était surnommée « la méchante » par les gens de son duché d'Étampes. Mais Diane de Poitiers n'est pas du genre à se laisser déstabiliser. Le dauphin lui montre ostensiblement sa faveur en portant ses couleurs, le noir et le blanc, à l'occasion de tournois. En voyant ce marivaudage, Catherine de Médicis constate qu'elle est obligée d'endurer un ménage à trois. Humiliation suprême, c'est Diane qui pousse Henri dans le lit de sa femme. En 1543, après 10 ans de mariage, le couple n'a toujours pas d'enfant, ce qui est problématique pour la couronne. Et puis, Henri II est maintenant certain de ne pas être stérile puisqu'il vient d'avoir une fille avec Philippa Ducci, une courtisane italienne. Il l'a appelée Diane en l'honneur de sa dame de cœur. Désormais, Diane observe Catherine lui tourner autour parce que la dauphine craint d'être répudiée. Timidement, l'Italienne lui demande des conseils pour tomber enceinte puisqu'un médecin a dédié à Diane un livre de gynécologie. On raconte aussi que Catherine aurait fait percer un trou dans un des murs de la chambre de la favorite pour observer ses ébats avec le dauphin. Elle lui aurait ensuite fait d'amers reproches parce qu'il n'était pas aussi ardent avec elle. Quoi qu'il se soit vraiment passé, Diane de Poitiers connaît les exigences qui pèsent sur les épaules d'Henri et elle n'a pas envie que Catherine soit répudiée. C'est elle qui l'a choisie et si Henri prenait une nouvelle femme, elle courrait le risque qu'il en tombe amoureux. À force de pousser le couple à concevoir, Catherine tombe enfin enceinte. Elle accouche de François en 1544. 9 autres enfants suivront. Sur ces entrefaites, François Ier meurt le 31 mars 1547 à Rambouillet. Il est emporté à 52 ans par une septicémie causée par une fistule au génitoire, un lien anormal entre deux organes qui touchent ici ses parties intimes. Anne de Pisseleux est chassée de la cour et Diane triomphe comme favorite du nouveau souverain. Son amant devient le roi, Henri II. Même si elle joue le jeu du mentor pour le couple royal, Diane de Poitiers ne néglige pas ses propres intérêts. Elle fait en sorte que ses filles fassent de beaux mariages dans la haute aristocratie ultra-catholique et rénove son château d'Annette. Avec l'aide de l'architecte Philibert Delorme, elle fait de cette vieille bâtisse médiévale un bijou de la Renaissance. Diane a fait représenter le croissant de lune de la déesse chasseresse, sa figure antique tutélaire, des jardins jusqu'au salon. Diane n'est pas une déesse de l'amour, mais une vierge indépendante qu'aucun homme ne peut approcher, sauf le roi, bien sûr. Henri lui-même utilise souvent 3 croissants de lune pour se représenter. Pour le cadet de famille devenu roi, le croissant qui se change en pleine lune est le symbole de son ascension sociale. C'est aussi le prétexte à tout un tas de jeux graphiques entre lui et sa favorite. Diane de Poitiers fait aussi représenter à Annette son chiffre mêlé à celui d'Henri. 2 dés entrelacés autour d'un H. Diane et Henri, les vrais souverains de France. Catherine dira qu'elle voit 2 C et un H. Et dans les faits, les spécialistes des symboles royaux analysent cet emblème de plusieurs façons différentes. Mais le règne d'Henri II n'est pas qu'une succession de lunes de miel avec Diane. La réforme prend de l'ampleur et risque de fissurer le pouvoir royal. Le roi est sur le trône parce que Dieu l'a voulu et le pape est un de ses soutiens. Or, les protestants s'opposent au pape et au clergé tout-puissant pour rendre la foi plus personnelle et autonome, ce qui pourrait très bien éloigner les convertis du roi aussi. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Sous le règne Henri II, on voit donc une montée en puissance des procès contre les hérétiques réformés. Une hérésie est une doctrine condamnée par l'Église. On raconte que Diane pousse le roi à être particulièrement dur avec les protestants et qu'on la voit sourire quand les réformés sont condamnés à mort. Là encore, on est face à la légende noire de Diane.
Comme toutes les favorites, elle sert de paratonnerre au souverain. On la déteste, elle, plutôt que le roi. Et c'est tellement facile d'haïr une femme riche et indépendante. C'est vrai qu'Henri la gâte. Il lui fait directement reverser certaines taxes payées au royaume, comme l'attestent des documents officiels qui existent toujours et qu'elle a signés. Elle est donc une femme très riche. En 1547, Henri II fait don du château de Chenonceau à sa favorite. Ce n'est alors qu'un relais de chasse au bord du Cher, mais Diane l'embellit en faisant planter des jardins à la française et construire un pont monumental qui enjambe la rivière. Grâce à lui, elle peut aller chasser avec son souverain dans les forêts giboyeuses de l'autre rive. Les années du règne d'Henri II sont pour elle des années fastes. Sa faveur n'a jamais décliné. Tout bascule par un beau jour d'été. Le 30 juin 1559, Henri II s'apprête à participer à un tournoi à l'occasion des fêtes organisées pour le mariage de sa fille Élisabeth de France avec le roi Henri II d'Espagne. Il entre en lice et lance son cheval au galop. Son adversaire, Gabriel de Lorge, le capitaine de la garde écossaise du roi, fait de même. Au milieu de la lice, la lance de celui-ci explose contre l'armure du roi. Un éclat de bois pénètre dans l'ouverture du heaume et se fiche profondément dans l'œil du souverain. Henri II est grièvement blessé. Il est emmené à l'hôtel des Tournelles, situé près de l'actuelle place des Vosges, où le chirurgien Ambroise Paré cherche en vain une solution pour le sauver. Diane sait que dans un moment aussi tragique, elle n'a plus sa place auprès du roi. Elle doit laisser le premier rôle à Catherine de Médicis. Henri II meurt le 10 juillet après une longue agonie. Il avait 40 ans. Son fils François II lui succède. Il n'a que 15 ans. Catherine de Médicis saisit enfin sa chance. Elle, qui n'a été qu'une figurante, peut enfin devenir, grâce à ses fils, la femme politique qu'elle rêve d'être. Une mère est plus puissante que n'importe quelle favorite. François II interdit donc à Diane de Poitiers de reparaître à la cour. Comme l'exige la coutume, elle rend les bijoux de la couronne qu'Henri II lui avait offert. Catherine de Médicis exige autre chose. Elle veut récupérer le château de Chenonceau que Diane a obtenu de manière irrégulière. Mais belle joueuse, elle lui offre en échange celui de Chaumont, qui est plus vaste et possède de plus grands domaines. Diane de Poitiers se retire alors dans son château d'Anette, où elle vit pieusement en s'occupant de ses affaires jusqu'en 1566, où elle meurt d'un problème pulmonaire. Elle avait 66 ans. On lui en donnait 20 de moins. En apprenant la mort de sa vieille rivale, Catherine de Médicis se serait écriée « Enfin, elle a vieilli !» Sa dépouille, et c'est une belle dépouille, est déposée dans un monument funéraire érigé par sa fille dans l'église de son village. 10 ans plus tard, en 1576, elle est transférée dans la chapelle du château d'Anette. Pendant la Révolution française, le tombeau de la favorite est rouvert. On raconte que son corps bien conservé gardait les traces de sa beauté. Le corps est profané, puis jeté dans une fosse commune du cimetière voisin. En 2008, une équipe d'archéologues parvient à retrouver ses restes. Parmi eux, il y a notre ami le docteur Philippe Charlier qui a analysé les restes de la belle Diane. Le cadavre a parlé. Ses restes contiennent une concentration en or entre 100 et 1000 fois supérieure à la moyenne. La légende est confirmée. Pour rester belle et jeune, Diane de Poitiers buvait de l'or soluble. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Diane de Poitiers. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Et moi, la plume et la voix de ce récit qui, je l'espère, vous a fait impression, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt !